re à toutes et à tous, deuxième partie d'émission et deuxième partie de soirée pour ceux qui viennent de nous rejoindre, il est 23h, bienvenue sur la ZTV. Nous allons avoir un Zeratosaurus aujourd'hui consacré à Anno 1602. Nous sommes actuellement en pause dans la partie, comme vous le voyez, le Zeratosaurus, on joue au jeu de notre enfance, voilà. Nous jouons au jeu de notre enfance et... Enfin, de mon enfance et peut-être de la vôtre, du coup. Et qu'est-ce que c'est que cette coiffure? Mais c'est le casque, hein, le casque, ruineur de coiffure depuis 1992. Non, depuis plus longtemps, en fait, mais c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que... Oui, on est donc dans le jeu. Pause, on enlève la pause. Bon, je sais pas si on va passer la première mission hein, dans ce stream. Mesdames et messieurs, je suis désolé. Mais ça m'a l'air d'être un sacré Delbor ou bordel, comme on pourrait le dire. Voilà. Donc, du coup... Alors la chasse c'est de la merde, en fait j'ai fait beaucoup trop de camps de chasseurs. Je vais en éliminer un, ça sert à rien, ils vont se bouffer le gibier entre eux. Eux ils veulent tabac et épices. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. En tout cas ma balance est positive, je gagne de l'argent maintenant, puisque j'ai baissé mes prix de vente à fond, hein. Je me suis prostitué. Ah mais ça en fait c'est... Ok, j'ai compris. Ça, c'est les mecs qui viennent voir si j'ai pas, par hasard, du cacao à leur donner. Alors, le cacao, bon. Est-ce que la ferme céréalière ne me donnerait pas de la bouffe, par hasard? Si. Sûr que si. Mais je ne peux pas. Ah, mais faut que j'arrête de faire ces conneries. Cacao, coton, épices. On peut faire des épices, à la limite. Alors, qu'est-ce qu'il veut, lui? Pourquoi il veut travailler? Qu'est-ce qu'il a? Fonction 0%. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi ça marche pas par exemple? Pourquoi la hutte de pêcheur marche pas? Ça... Qu'est-ce qui se passe? Arroser le marché mondial de cacao. Ok. Plus de poissons. Ah c'est ça? Ok c'est ça. C'est la grève. Ok. Y'a un mec qui a dit c'est la pub là? Non! C'est terminé. Alors, améliorons la vitesse. Augmentons la vitesse. Attends, mais ça m'étonne qu'il faille des aristocrates déjà à la deuxième mission. Enfin, je trouve ça... Ça me paraît incroyable. Ça me paraît incroyable. Ça coûte quoi, les routes? Ça coûte... Ok, ça coûte un de pierre par truc. D'accord. Je vais en faire masse. Trop classe! La peau du cul mais OSEF complet, c'est trop classe. Pouh là là, c'est tellement classe. Oui, c'est tellement classe. Alors des outils? Non, c'est pas des outils. Et oui, parce qu'en fait ils vont aller plus vite sur les routes pavées, je crois. C'est pas ça l'histoire. Donc c'est des plazas. Yeah. De meilleures routes améliorent les vitesses de déplacement. Ok. Donc en fait OSEF d'en faire près des maisons, j'ai complètement ruiné le truc. Tac. Voilà. Ah, y'a le marchand qui arrive. C'est pas grave, y'a masse pierre, masse bois, masse tissu probablement. Masse tissu. Et là, un outil. Non, Roger, non, reviens. Attends, reviens. Non, putain, un outil. Mais quoi? C'est parce que j'avais pas de thunes. Ah, mais c'est pour ça. C'est parce que j'avais pas de thunes. T'as le mec, mais une heure à venir. Et quand il vient, j'ai plus de thunes. Fuck my life. A mon avis, avec du cacao, il reviendra. Mais je peux pas en faire. À moins que j'ai pas encore compris. Taverne, maison, marché, chapelle. Là, j'ai tout. Petit chantier naval. Cool. Complètement useless. J'ai pas d'outils, je peux pas. Du cacao. Ah! Outilleur. Distillerie, tabac à pierre, eau, boulangerie, moulin, boucherie. Un outil dans un putain de gros bateau. Mais non, c'est que j'avais pas d'argent. Comment on fait du cacao? Tu dois évoluer pour faire du cacao. Putain. Non mais je vais pas recommencer la mission. Si? Outilleur go. Non mais les gars. Outilleur... C'est pas possible. Déjà il me faut une mine de fer qui coûte 10 outils. Donc déjà voilà. Recommence là, tu t'amuseras plus. Tu crois? Alors oui, j'ai eu un problème dans ce jeu quand j'ai testé tout à l'heure. Je ne sais pas comment on quitte le jeu.
Donc, ah là, peut-être. Ah non, bah non. Comment on quitte le jeu? 1-10-4. Comment on quitte le jeu, donc, à votre avis? Option. Mais je suis dans option, regardez. Donc on a voir, horde, sauvegarde, musique et son. Yep, échappe, ça ne fait rien. F10 peut-être? Non, ça m'étonnerait. Donc disquette puis quitter. Disquette. Quitter. Oh merci! Merci beaucoup. Nouveau jeu. Début du jeu. Zerator. Choisissez un drapeau. Alors on va aller en bas pour voir. Moi, je suis sûr que l'île du bas, en fait, elle est top moumoute. Un rival agrandit ses villes. J'avais carrément oublié, mais en fait, vous allez là, ensuite, vous faites... analyser. Et voilà. Les ressources. Donc là, on regarde. Cette île, cacao, coton, épices. Donc c'est pourri. On se casse. On va aller voir ici. Non, mais là, ça va être encore pire, Zerator. C'est pas grave. Je peux pas aller là. Les ressources de cette île ont cacao, coton, épices. Et si j'allais là-bas? Non mais là, il n'y a pas de montagne. Là! Prends en or une île avec du fer. Ou genre ça. Celle-là, elle irait bien. Mais là, putain, elles sont méga petites, quoi. C'est ça le problème, c'est qu'après, elles sont toutes petites, quand même. Go, volcan, va au nord. Ok, 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 ok. Les ressources de cette île ont tabac, vigne, canne à sucre. Pas mal ça déjà, tabac, vigne, canne à sucre. On va essayer d'aller là. Oui, sauf qu'il y a un volcan. Au pire, on va faire chier l'autre au middle. C'est vrai, tiens, je vais aller ici. Le mec. Non. Ah ouais, donc lui, c'est pas, c'est un peu petit son truc, mais pas trop, ça va. C'est bon, c'est bien. Vas-y, mets-toi là. Les ressources de cette île. Tabac, vigne, canne à sucre. Comment je sais s'il y a du fer là-dedans? Ah ouais, il me semble qu'on peut voir. Il y a pas un truc qui fait au milieu des montagnes là? Je crois qu'il y avait un truc comme ça. C'est le minimum. Il n'y en a pas. Pas de fer. Ok. Parce que je crois que ça, au-dessus des montagnes, il y a un truc quand il y a du fer. Dans mon souvenir, c'est comme ça. J'en suis pas sûr. Allez, go là! Go, go, go! Il y a une vidéo pour le faire, quoi? Les ressources de cette île ont été évaluées. Putain. Eh, y a pas de fer nulle part, les gars. Hein. Je suis désolé, mais... Prends une île à 100% pour le vin. Il y en a pas, je crois. Vigne, 50%. Cacao. Chaud cacao. Là, on a canne à sucre, vigne, tabac. Ça vous plaît pas, ça? Vigne 50%. On s'en fout du fer à la première mission, ça doit pas être ça l'objectif. Oh merde, y'a un mec qui s'est installé là. Oh fuck my life. Oh putain. Ça alors. Donc est-ce que je recommence et je prends cette île direct? Toute voile d'or. Attaque. Vas-y, attaque. C'est un repère de pirates. Changer de cap. Attaque. Pleine portée. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi pas la grosse à droite? Celle-là? Elle a pas de montagne, elle a rien. J'aurais pas de briques. Qu'est-ce que c'est que ce jeu de merde? Non mais attendez. Eh hey mec, ah ok, ça a changé la vitesse, c'est pour ça. Mourez. Bon, je fais de la merde. Je fais de la merde. Non mais je vais me mettre... Vas-y, c'est bon. C'est bon. Quitter. On recommence. Je vais y aller. Je vais aller là-haut, là. Alors, tac. Allez, on va là. On va ici, hein. Un
rival agrandit ses villes. Un rival agrandit ses villes. Go, 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 go. Osef des montagnes pour la première mission. Non mais non! L'objectif de la mission, mesdames et messieurs, c'est d'avoir des aristocrates, c'est-à-dire les habitants de niveau 3 ou 4, je sais plus, mais c'est ça le truc. Alors, on m'annonce que le Best of 37 est sur la bonne voie. Il est sur la bonne voie, c'est ce qu'on me dit à l'oreille là. Je vais analyser celle-là juste pour vous faire plaisir. Regardez comme je vous fais plaisir. Les ressources de cette île. Tabac, vigne, canne à sucre. Évaluer. Vigne 100%. Allez hop, je me mets là. C'est décidé. Donc attendez. Je ralentis un peu la vitesse. Donc déjà, je vais faire un marché ici. Ah merde, j'ai pas déchargé mes ressources. Toi, décharge ça! Décharge ça! Et décharge ça! Et ça! Non, ok. Alors, c'est parti! Tac! Comme ça, on va faire nos maisons ici. Voilà, ça va être... Oh, ça va être parfait! Là, vous savez quoi? Je sens que ça va être parfait. On va faire deux trucs de bois seulement. Ça suffira largement. Parce que tout à l'heure, j'ai fait de la grosse merde. Tac. Et tac. Hop. Hop. Plantons des arbres. Voilà, très bien, cordialement. Alors maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire une chapelle. Non, nous allons faire des maisons. Un peu plus de maisons. J'ai plus de bois. C'est 6 la maison. Oh putain, j'ai fait quoi? Une hutte de tisserand. Oh, j'ai planté. J'ai fait une hutte de tisserand. Ça me fait méga chier, parce que du coup je me suis trompé. Et c'est un peu chiant. Putain. Oh putain. Maison. Voilà. Alors, des routes. Nous sommes en des routes. Mais là, vous vous dites, il a plus de bois, alors qu'en fait, je redécharge du bois. Tac, tac. Et là, remasse bois. C'est trop bien. 1, 2, 3, 4. Ça va être beaucoup mieux. Ça va être beaucoup mieux, vous allez voir. Ce départ de ville va être bien mieux. Vous allez voir, ça va déchirer. Ils veulent du tissu. Bon, déjà, les impôts maximum, hein, bien sûr. Alors, ils veulent une chapelle, vous en faites pas, j'ai pas oublié. J'ai pas oublié l'histoire de la chapelle, bien sûr. Nous allons mettre notre chapelle à cet endroit-là. Comme ça, on pourra faire des maisons derrière. Et ça va être bien. Ça va être très bien. Donc la chapelle sera ici. Ou là, peut-être. Ou là. 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 Non, là, c'est sale. Non, là, ici. Ici, c'est bien. Voilà. Voilà, parfait. Les gens sont contents de donner de l'argent à des rateurs, de toute façon. C'est vrai. Donc on s'en fout. Alors on va acheter. Non, on va rien acheter du tout. Donc on a dit tabac, vigne et canne à sucre. Très bien. Élevage de moutons. Non, relais de chasse. On va faire un seul relais de chasse. Ah mais on n'a pas encore la chasse. Si, c'est ça, relais de chasse. Voilà. Relais de chasse, on en fait qu'un seul. Donc c'est parfait, on récolte de la bouffe, on récolte du bois. Ça va beaucoup mieux que tout à l'heure. Ça, là, ça va beaucoup vite que tout à l'heure. Les huttes de pêcheurs. Les huttes de pêcheurs. Une, deux. On en fait deux, c'est bien deux. Voilà, deux, c'est parfait. Attendez, les huttes de pêcheurs, il faut que je vérifie un truc. C'est quoi la range d'une hutte de pêcheurs? Donc genre, si j'en fais une là, c'est pas mal. Genre là, c'est pas mal. Si je fais ça ici, comme ça. Nya, nya, nya. C'est bien, il y en a qui ont les références sur IRC, ça me fait plaisir. Voilà, il manquait deux bouts de bois. Alors maintenant, alors on peut pas faire de briques.
Les huttes ont besoin d'eau foncée. Quoi ? Oh, mais il y a des frises, qu'est-ce que c'est ? J'ai des frises dans le jeu. Pourquoi je frise sur ce jeu-là et pas sur les autres jeux, en fait ? Je sais pas pourquoi. Allez ! Débloque-toi ! Merci beaucoup. Donc maintenant, nous allons sauvegarder. Sauvegarde. Sauvegarde. Je sauvegarde. Putain, le mec. Attention. Faut pas l'énerver. Hein. Je sauvegarder, putain ! Ok, ok, c'est bon. Alors, enlevons les espaces verts, ça ne sert absolument à rien, à part pour les machins. Enfin, pour les machins, je veux dire les bûcherons. Hein. Voilà. Hop, une petite hutte de tisserand pour faire de la laine. Avec tous ces moutons et tous ces poils. Donc nous attendons le bois, actuellement. Voilà, le bois, c'est bon. Hutte de tisserand, c'est bon. Les moutons, c'est bon. On est vraiment pas mal. Si tu veux, si tu viens à la forêt, plus le gibier. Non mais ça va, il y en a là. Ah ouais, tu crois ? Genre, est-ce qu'à votre avis ? Non mais ok, je sais ce que je vais faire. Je vais faire genre ça. Voilà. On va faire comme ça. On va faire comme ça, des petites plaines et tout, comme ça les serfs ils sont contents. Vends du vin et achète des briques aux Portugais. Le problème c'est qu'on peut pas vendre du vin. Déjà là je peux pas encore en faire du vin. Il me faut des habitants qui ont plus la classe. Parce que là actuellement j'ai que des clodos. Donc ça va pas. Il vous faut plus de clodos. Donc il me faut plus de clodos. Voilà. Il me faut plus de bois. Il nous faut plus de bois. Il vous faut plus de clodos. Est-ce que vous pensez que je fais un autre truc de bois ? Il faut deux élevages de moutons pour un tisserand. C'est vrai ? Ok. Je vous crois. Genre, tes pêcheurs sont hors range. Non mais là, ça servait à rien que j'en fasse deux. J'ai complètement craqué, en fait. Ouais, d'accord, je vois. Ok, ça c'est useless. J'ai compris. C'est-à-dire que si je veux faire une hutte de pêcheur, faut plutôt que je la fasse là, quoi. Voilà. Mais au moins, je comprends ce qu'ils me disent, c'est bien. L'important, c'est de comprendre sa population. Ah, ça y est, on a évolué. Boucherie. Élevage de bétail. Élevage de bétail. Ohé, ohé. Élevage de bétail. Ohé, ohé. Alors, on ne pourra pas, évidemment, faire, malheureusement, hein, du fer, de la pierre. Ah, ça commence à évoluer les clodos. Alors, oh là. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, c'est bon. Alors, il va falloir qu'on achète du vin. C'est insupportable. Faisons des maisons encore. Des maisons. Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est une maison, ça. Colon ! Non, mais moi, je veux pas qu'il soit content. Bon, allez, si. Je veux qu'ils soient contents. Vous savez pourquoi ? Pourquoi si on monte, ils veulent plus que du vin ? Chelou. Ça, c'est de la musique. Alors, j'ai pas de bois. Mais il me faut masse maison, il me faut des habitants pour que les bâtiments puissent se débloquer. Et que je puisse arriver au truc pour faire du vin. Comme ça, je pourrais faire du vin pour tous ces clodos. Et voilà, et donc du coup ça ira. Ouh, ça ira. Ah mais c'est vrai que du coup on a des problèmes. On vous propose un accord commercial. Ouh yes, on m'a proposé un accord commercial. J'accepte avec joie. Qu'est-ce que vous voulez ? On vous propose un accord commercial. Le principe de cet accord, vous allez vous faire raid. Tout à l'heure, j'ai pas eu les belles cinématiques comme ça, là. Je suis deg. On vous propose des pirates commerciaux. Oh, t'es sérieux avec cette chanson ? Ok, eux, ils veulent des outils, du vin. Non mais en fait j'ai compris, le jeu s'adapte à ce que vous avez en fait. Parce que là tout à l'heure ils voulaient du cacao, là ils veulent du vin. Ah non, ils veulent aussi du cacao. J'aime bien, t'sais, les pirates vous attaquent.
l'heure de se réveiller, debout bande d'empotés. Toutes voiles dehors, souquez les artibuses. Les ressources. On peut pas. Changer de cap. Bien, capitaine. Voilà, j'ai rien récupéré du tout. C'est trop bien. Stock plein dans une maison là, Kezako. Quoi? Non mais c'est bon, les maisons, ça le fait. La demande en alcool n'est pas satisfaite. Non mais écoutez. Ah voilà. Alors vigne. Bon. Ça me fait plaisir. Alors ça y est, il faut des briques. Bon, ok. Ça commence, c'est la merde. Ça commence, c'est la merde. Les briques, j'achète. F7 pour acheter des briques. Les gens veulent une taverne. Les gens veulent quoi? Les gens, ils attendront, ok. Les gens, ils comprennent pas que ça coûte des briques, ok. Donc très bien. S'ils sont contents, ils évoluent et utilisent des outils. Cool. Quand tu mets trop d'impôts, ils deviennent alcooliques. Pense à la bouffe, les colons bouffent comme des porcs. Non mais la bouffe ça va. J'ai ça qui fait de la bouffe, j'ai ça, j'ai ça, j'ai... c'est tout. Mais c'est déjà pas mal. Ça va, j'en ai 3 là. Je suis très content. Là j'attends le marchand en fait. Les évolutions coûtent des matières premières. Allô. Quoi allô? Bah oui. Et alors? Et alors? Et alors? Là ça va faire votre ville prospère. Dani Dadaer. Ou je sais plus ce qu'il m'a dit tout à l'heure. Engager un cocher avec un chariot. Okay. Votre ville s'agrandit et prospère. Voilà, votre ville s'agrandit et prospère. Est-ce que je pourrais avoir 6 briques, s'il vous plaît? Alors en fait, je vais faire exprès de mettre les achats de pierres à un prix complètement indécent. Pour justement qu'ils m'en vendent masse. Voilà! Ah non. Lui, il veut pas des briques, lui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux des briques? Alors normalement, le deuxième bateau pirate, on win. Hein. Tout à l'heure, ça se passait comme ça. C'était chaud du slip, mais on a réussi à l'avoir. Donc là, ça devrait le faire. Les habitants veulent des poils. Quoi? C'est bon, il meurt. Drapeau blanc. Pourquoi tu dis drapeau blanc? On peut mettre un drapeau blanc? Je sais pas comment on fait. Désolé. Mais là, il y a des poulpes. Est-ce qu'on peut manger les calmars géants, là? Enfin, ce qu'il en reste. Ok. Il me faut vraiment des briques, les gars. T'es fini, Zera, sans pierre, c'est cuit. Tu crois? Je sais pas, hein. Si j'ai un coût indécent pour les pierres. Après, je peux pas avoir des vignes et des pierres, c'est pas possible. Si, il y avait celle-là, peut-être. Il me faut vignes 50%, en fait. Vends des trucs. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vende? J'ai rien. J'ai peut-être masse tissu? Non? Ouais, je pourrais vendre un peu de tissu. Oui! Quoi? Quoi? Les briques là! Mais c'est une blague. Excusez-moi, voisin beaucoup trop riche. Auriez-vous des briques? Stock, ok, sont pas. Et vous? Non plus. Il est venu te vendre du seum. Ton bateau. A agrandi sa flotte. Ton bateau bloque le port. C'est une blague, j'espère. J'espère que c'est vraiment une blague. Non mais Go coloniser une autre île. Non mais je peux pas. Faut pas que tu définisses le nombre de briques que tu veux. Mais non, ça se passait très bien tout à l'heure. Acheter jusqu'à 40 tonnes, vous voyez ce que je veux dire? On achète tout quoi. Il pourrait s'y liser ton chat. Quoi? Mais je lis, je ne fais que lire. Colonise l'île avec la carrière. Non mais je peux pas les gars, c'est pas si simple. Essayez d'acheter des briques à bas prix, peut-être que les marchands sont stupides dans ce jeu. Non mais non. Non mais non. Il te faut une île avec fer et pierre. Alors non, on ne peut pas, parce qu'en fait, il n'y a pas d'île avec du fer dans la première mission.
Si tu peux coloniser et faire plus de bois et de bouffe. Non mais on peut, mais il nous faut des outils par exemple pour aller coloniser une nouvelle île. Mais normalement on n'en est pas là. Normalement on n'a pas besoin de coloniser direct, vous voyez ce que je veux dire. Et il nous faut des briques en plus pour coloniser un truc. Enfin c'est pas si simple. En fait il n'y a aucune solution, tu t'es fait jambon. Je sais pas. Je vais aller voir combien ça coûte d'installer une nouvelle île quelque part. Je sais pas combien ça coûte un machin, un entrepôt. Allez F7 là, accélère. Ah il va à fond, d'accord, cool. Très bien. Il te faut des outils et du bois. Je crois qu'il faut genre 10 outils et 10 bois. Je crois que c'est ça le truc qu'il faut. Voilà, 3 outils, 6 de bois. 3 outils, 6 de bois. 3 outils, 6 de bois. Donc achetons des outils. Et oui, quand ils évoluent, ça me coûte des outils, j'avais bien compris, mesdames et messieurs. Nous allons interdire les matériaux de construction pour les colons pour l'instant. Et nous allons attendre qu'on nous vende des outils. Ça y est, on nous a vendu des outils, c'est bon. On a les droits. Donc on va tout prendre. Prendre du bois à fond aussi. Et allons ici. Je peux me vendre des briques, s'il te plaît? Merci, c'est cool, super. Donc y'a pas de briques, hein. Go en jeu libre, le jeu sera plus facile. C'est vrai que ça aurait été plus facile en fait. Ça aurait été moins con surtout. Ah voilà. Excellent. Les ressources de cette île. Et là, ont été évacuées. Du fer. Il y a des minerais sur cette île. Bah oui, évidemment. Du fer ici, bah ouais. Pourquoi on se foutrait pas de votre gueule jusqu'au bout? C'est ça qui serait super. Normal. Normal, normal. Bon, allez, cassons-nous. Il nous faut des outils. Il nous faut des outils. Donc prenons des outils, mais en attendant... En attendant, eh bien, à tout de suite. On se retrouve dans 2 minutes. Donc à toutes. Mesdames et messieurs, alors une seconde, qu'est-ce qui se passe? Hop, voilà. Alors, oui, Zeratosaurus, toujours, bienvenue à vous, Zerator aux commandes. On joue au jeu de notre enfance, on joue ce soir à Anno 1602, on va essayer de finir la première mission. Mais on n'y arrivera pas, hein, je vous le dis. Pour tous ceux qui croient qu'on va pouvoir finir la première mission, c'est niette, nous n'y arriverons pas. Mon bateau est en train de revenir. Et attendez une seconde. Putain, qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Greensleeve, la chanson, bien sûr, qui passe. Je vais aller coloniser trois îles. Hein. Je vais coloniser trois îles. Alors. En fait, je crois que je l'ai dans le cul parce que la portée de mon truc de construction ne va pas assez loin. Et voilà. Donc je suis très content. Ah, quoique. Voyons voir. Ah non. Non, ça c'est pas possible. Non, monsieur, fuyez. Je fuis. Ah ben, on n'est pas dans la merde. Fin du jeu. Voilà, nous avons perdu toutes nos ressources et ça m'a saoulé. Donc on va recommencer. Sauf qu'on va pas recommencer ça. Alors j'abandonne pas parce que ça m'a saoulé. J'abandonne parce que c'est terminé, nous avons perdu. Donc dommage. Quittons cette game. Nouveau jeu. Partons en jeu libre. Jeu en continu. Ça va être facile. Comme ça on verra comment ça se passe. Quelle couleur ornera votre bannière ? Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe ? Voyons voir. Ah voilà. Oh vite. Go la plus grosse des îles. Alors la plus grosse des îles, je ne parle personne hein. Que aucune femme ne se sente vexée par ce que je viens de dire. Go. Vas-y Joseph, je m'installe. Y'a quoi dessus? Ressources de cette île ont été... Il y a du fer, vigne à 50%, vas-y GG. Allez, barrez-vous les bâtards. Allez, c'est bon, c'est parti. Ça, ça fait plaisir. Donc nickel, en bas à gauche, la plus grosse. Merde. Go au sud, esquive les marcheurs blancs. Merde, putain. Je suis deg. Bon, on recommence. Je recommence. Go. Regardez, il va falloir être fast. Go. Go. Merde, c'est pas celle-là la plus grosse, c'est random. Oh merde. Oh merde. Ah, j'ai pris trop de longueur de retard. Je vais plus vite que. Je vais plus vite que. C'est vrai ou pas? Oh, ils sont où? Ils sont où? Ils sont partis là-haut? Ils sont où? Ça m'a l'air bien, cette île m'a l'air parfaite. Y'a du fer de cette île ont été... Y'a du fer. C'est quoi le truc? Cacao, coton, épices. Non, c'est de la merde. Vient d'être colonisé. A new island has been settled. Là, y'a du fer. Les ressources de cette île ont été évaluées. Y'a pas de fer, ok, y'a du... Vient d'être colonisé. Y'a du fer, mais y'a pas de vin. Il y a des minerais sur cette île. Une île vient d'être colonisée. Vous n'avez pas de chance, vous tombez sur des îles de merde. Pendez-vous immédiatement. Nul Zera recommence. Mais non, mais c'est bon. Non, mais les ressources de cette île ont été évaluées. Un gisement de minerai a été découvert. Oh! Ok, Joseph. Vin 100%. Oh, c'est là qu'il faut se mettre. Non, non. Oh putain. Oh, le bug de merde. Il va pas se mettre là quand même. Il va pas se mettre là. C'est moi! Allez, casse-toi! Ok! On a notre île! Vigne 100%, on a du fer, on va pouvoir faire. C'est bon! C'est bon! T'as une mauvaise RNG sur cette run, reset. Non, 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 c'est bon, c'est bon! C'est bon, GG! C'est bon. Marchez. Pas du tout. Déchargeons les ressources. Bon, on retiendra qu'un seul truc de ce jeu, la campagne est difficile. Voilà, donc nous allons... Attendez. Euh...
Voilà. Ok, bon, alors du bois. Du bois ! Je vais essayer de faire ça en mode fast. Mais pour ça, il faudrait que je trouve le bois. Voilà. Un nouveau territoire vient d'être ouvert. Quoi ? Ça veut dire quoi ça ? Votre territoire vient d'être ouvert ? Bon sang, mais c'est bien sûr. La caverne de Morgul. Non, pas du tout. Alors. Du bois ! Du bois ! Très bien. Des routes. Des routes. Très bien, très bien. Nous allons faire les huttes de pêcheur. Voilà, voilà, voilà. Tout se passe très bien. T'auras mis 2 heures pour passer le level 1. Tu veux pas continuer après minuit en remplacement? Non! Le Zeratosaurus, c'est 2 heures. C'est pour la découverte d'un jeu. Mais si vous voulez, on y rejouera. Si vous aimez ce jeu, on y rejouera. Tiens, 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 tiens. Voilà. Maison! Maison. Elle est petite, l'île. Elle est petite, l'île, comme ma planète. Quoi? Putain, il y a un extraterrestre sur le chat. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? C'est bien, c'est bien. Oh, c'est des pirates, ça? Non, c'est bon. Ok, bon. Alors, cordialement, on va faire des moutons, hein, voilà. Donc, des moutons cordialement. Hop, hop, hop. Une hutte de tisserand. Ah, c'est vrai qu'il faut faire 2 moutons, vous m'avez dit. Donc, double mouton. Double ratio de moutons pour le tisserand. Il en a de la chance. Hutte de tisserand. Non, il faut encore 1 de bois. Faut pas faire des paquets de 6, tu fais des rangées de 2, ça économise des sous et de la place. Non, mais t'inquiète, pas de problème. Moi, je fais comme les ordi, hein, regarde, il faut des trucs de 6, 7, 8, 9. Tu vois, ils font 9. Tu vois, ils font 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ils font tous ça. Non, lui, il a fait 6. Bon. Et vous avez vu comme ils sont nuls? J'ai voulu 10 fois plus vite qu'eux, en fait. Quelle nullité. Quelle nullité. Qu'est-ce que... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais ça, ça veut dire quoi? Ah oui, il y a plus de bois. C'est vrai, c'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. Les moutons! Mais... Alors, nous allons faire un relais de chance. Un relais de chance? Est-ce qu'on le fait l'eau? Je sais pas si c'est vraiment utile le relais de chance. Bon allez, faisons un relais de chance. T'as gagné ta pouette, ta pouette. Et on va faire, vous savez quoi, un autre bûcheron, allez. Parce que j'étais quand même pas mal avec mes bûcherons en masse au début, là. Ça m'a bien plu, cette histoire. Maintenant, on construit des arbres, normal. Voilà, il est content. Maintenant, on le relie à la route. Comme ça, il a pas le même rythme, vous voyez, que les autres bûcherons qui auront déjà leur bois cassé et tout. Enfin, ça va être pas mal, ça va être pas mal. Là, il y aura pas le même truc. Serait possible un Heart of Darkness en Zeratosaurus? Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense pas. Mon avis, c'est pas bon. Ah oui, les taxes! À fond! À fond les ballons, les taxes! La mort par la taxe, hein, carrément. Mourez via Stico. Mais mourez des taxes. Surtout mourez des taxes. Tac, tac. Les attentes sur Anno 2013 sortiraient de la Grèce de la crise. Oui, c'est clair. C'est sûr et certain. Ça ne fait aucun doute. Je fais masse maison pour augmenter mes habitants, pour pouvoir faire des quoi, comment ça s'appelle? Et la chapelle! Oui! Comment ai-je pu oublier la ville de Aix? C'est parti. On va faire une chapelle ici. Voilà, que tout le monde entende le chant de Dieu! Et que nous puissions faire une caserne, prier miséricorde. Cordialement. Prier miséricorde cordialement. Priez miséricordialement d'ailleurs. Miséricordialement. Je vais faire une ville trop stylée. Quoi? Pourquoi? Ah, j'ai plus de bois. Plus de bois, c'est balal. Donc ballot au singulier. Achète des outils. Oui! Il faut acheter des outils, vous avez raison. Donc achetons des outils. Achat.
Achat outil. À fond les ballons. Et vendons-leur du tissu à tous ces marchands puants. Vendre du tissu à partir de... Quoi ? Pourquoi ça, ça bug dans le... Ah voilà. 10 tonnes. Hop, hop. Voilà, on m'a récupéré des outils, c'est parfait. J'ai masse thune, hein ! Ça fait plaisir. Alors, petite carrière de pierre. Je sais qu'il y a aussi du fer. Mais là... Oh non ! Ah, c'est pas bon. Pardon, je me suis complètement gouré, je fais n'importe quoi. Tailleur de pierre, où est-il? Il est là. On va le mettre ici. Vous savez quoi? On va même le mettre hyper loin. Ah non, il faut qu'il soit... Ok, il faut qu'il soit à portée de la carrière. Complètement con, ce Zerator. Ça va pas mieux. Hein. Ça va pas mieux, le mec. Hein. N'importe quoi, le type. Mais eux, ils ont plus accès à la chapelle, et ouais. Fuck them. Enfin non, du coup, non. Alors. Attendez, attendez, attendez. Bon, de toute façon, là, pas besoin de gibier, hein, on s'en fout. On va faire un nouveau quartier résidentiel ici. Voilà. Comme ça, ici. On vous propose un traité commercial. Ouais. Zerator, t'as déjà joué à Age of Empire? Jamais. C'est quoi ce jeu? Je connais pas. Mais si vous avez des idées de jeu, surtout, ne les proposez pas. Hein. Parce que, évidemment, cette émission n'a rien à voir. Alors, vendons des briques également. Vendons des briques quand on... Waouh! Tout le monde est intéressé par moi, c'est trop bien. Vendre briques jusqu'à 5 tonnes. Voilà. Sauf bientôt, on en aura plus. Alors, accord commercial, ouais, moi j'accepte tout. Moi, je suis un pacifiste dans les jeux comme ça, hein, vous le savez. Tac, tac. Voilà, tac, tac, poète, poète. Alors j'ai fait ça pour faire la chapelle et toutes ces conneries en fait, hein. C'est pour ça que j'ai fait ça. Voilà. Oh là là, incroyable, on croule sous les demandes d'accord commercial. Tous les joueurs veulent faire la paix. Si on leur demandait la paix d'ailleurs. Rompre traité de paix, offrir tribut. Tiens. Payé. Le joueur bleu me kiffe, à mort. Skill plus puissant. Ah, c'est le bleu, même pas fait exprès. Ah, le joueur bleu, il me kiffe. Alors là, ça c'est sûr. Il a fait des marchés partout. Les gens veulent une taverne. Les gens veulent une taverne. Mais les gens, vous savez ce que je leur dis aux gens, moi? Non, mais bon, les gens, après. Non, faisons doucement. Pour l'instant, je voulais faire une chapelle. Si je la retrouve. Voilà, elle est là. Ah non, chapelle. Ding dong, ding dong. Ensuite, on va re-remplir nos habitations. Voilà. Maintenant, c'est bon. On a rempli les habitations comme je le voulais. Zerator, t'as jamais sorti la carte magique, l'atout maître, le Joker du Zeratosaurus, le jeu aux 4000 viewers, Age of Empire. Et non, mais que dalle, Age of Empire, c'est trop mainstream. Ça n'a aucun intérêt de faire du Age of Empire. Voilà. Donc, on en fera pas jamais. Taverne, c'est où? Taverne. Alors, la taverne, nous allons la faire. Sinon, on en fait genre une là et une au fond après. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il vaut mieux que je la fasse là ou là-bas? Non, je vais la faire là. Votre ville s'agrandit et prospère. Fantastique. Fantastique Norbert. Ah non, oui, c'est ça que je vais faire. Toi, dégage. Alors, complètement déçu parce qu'il vient de utiliser un outil pour évoluer, je pense. Mais Osef complet. Taverne. Alors, vigne, on a dit 100%. Bon, je vais pas avoir assez de place sur cette île, mais elle est très très bien. Ferme vie, Nicole. C'est la ferme vie, hein, Nicole. Bon. Il me faut 8 briques. Go go les briques! Vas-y, wesh les briques! Voilà, c'est bon. Alors, nous allons faire des champs. Enfin, des vignes. Voilà. Sachant que là-dedans, nous allons faire une route. Voilà, pour bien niquer tous les champs possibles et imaginables. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je sais, on peut supprimer chaque coin. C'est useless. Tac, tac, tac. Voilà. Elle est pas mal, notre ferme, là, non? Plus de Kaiser 3, je suis trop déçu, je suis en manque. C'est parce que tu n'as pas vu la prog de la semaine prochaine. Ah, mais en fait, tout le monde propose des jeux. Vous ne comprenez rien? C'est pas grave. On va dire que les gens ne comprennent rien. Qu'est-ce qui se passe? Fonction 0%. Bon, ça va venir. Je pense que ça va venir. Entrepôt 2, ça sert à quoi? Avoir plus de place?
Mais je peux pas le construire. Parce que ça coûte la peau du cul, j'imagine ça. 183, 7. Non, pourtant j'ai assez. Mais j'ai pas de place où le mettre. Ou alors ça se construit à un endroit que j'ai pas compris encore. Ah, parce que c'est là! Eh oui! Complètement con ce zérateur. Ok. Pompiers. Bon, les pompiers, les pompiers. Voilà. Les pompiers, c'est fait. Mouton, bétail, épices, canne à sucre. Si on faisait du bétail! Du bétail. Et ensuite une grosse boucherie. Où elle est la boucherie? La boucherie, la boucherie, la boucherie, la boucherie, la flou. Où elle est là? Ah, en plein milieu de l'élevage de moutons! Bah, c'est complètement con! Et bah, déçu! Adieu! Mais non, Zera, tu devrais pas faire ça, tu n'es pas sur les ressources. Et ouais, mais je préfère faire une ville jolie, vous voyez. Voilà. Et une distillerie, c'est ça qu'il me faut! Une distillerie, c'est où? C'est là. Mais la distillerie, ça sert. Attendez, ça sert à quoi les en fait? Les gens demandent une école. Les gens demandent une école. Parce que la distillerie. Sucre en stock! Ok. Sucre en stock. Donc meurs. Meurs et reconstruisons des champs. Des champs de vin. C'est bon, hein, vous avez vu, elle produit. Nous avons 0 tonne de vin actuellement, mais ça va venir. Ça va venir. D'accord. D'accord. Une tonne de vin. Ça y est. Porcherie, un mec qui a dit. C'est bon, pourquoi? Il n'y a pas de porcherie en plus. Il y a juste un mec qui a pété un câble d'un coup qui a écrit PORCHERIE. C'est comme sanglier, tu vois, c'est pareil. Alors on peut faire un outilleur, mais toujours pas de mine de fer. Alors une école, il voulait, voilà, c'est ça qu'il voulait. École. Non mais là, la ville est pas mal. Hein. Une ville jolie qui fait faillite, appelle-la Athènes. Non mais elle fait faillite pour l'instant, parce qu'on est en train de construire. C'est parce que César... César, pour l'instant, est pas content, mais... Bon, là, en fait, on va pouvoir faire ça. Tant pis, on supprimera les maisons après. Voilà. Voilà. Quand est-ce que je peux faire les mines de fer? Par pitié. Ok, ok. Pas mal. Donc, pas mal. Hop. Hop. Voilà. Blablabla, vous êtes un connard. Blablabla. Accélère le jeu. Il est déjà accéléré au maximum là. Il est déjà au max. Je suis désolé. Je sais que pour vous ça fait lent. Pompier, chapelle, marché, maison. Pompier, chapelle, marché, maison. Moulin à eau. À quoi ça sert? Ça transforme les céréales en. En super céréales. Non, en farine. Et après vous faites une boulangerie et c'est trop bien. Et après vous avez des pains au chocolat. Vous pouvez vendre des pains au chocolat à vos alliés si vous voulez. Et c'est trop bien. Alors on va stopper l'achat d'outils. Hein. Là ça se commence à bien faire. On va en acheter on va dire jusqu'à 20 tonnes. Voilà 20 tonnes. Et on va baisser un peu le prix d'achat parce que faut pas trop nous prendre pour des gros cons quand même. Hein. Ça commence à bien faire. Non mais sans blague. Non mais sans blague. Sans blague. Augmente les impôts. Oh oui les impôts des colons, merde. Oh ouais c'est ça, je m'en fous, vous fassiez la gueule. Alors là les mecs... Oh là là, quelle catastrophe. Et voilà, et là la balance commerciale va se s'inverser. Ah ça y est, mine de fer. Ah. Ah. Mine de fer. Mine de fer. Donc mine de fer. Avec la mine de fer, on fait une fonderie. Pas trop près, pas trop près, pas trop loin. Et avec la fonderie juste à côté, on fait l'outilleur qui construit des outils. N'est-ce pas? Et là, nous allons ici, nous faisons achat, et là, on supprime les outils. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va vendre des outils. Et les outils, ça vaut la peau du cul. On va vendre des outils. Une fois qu'on en aura 30, eh ben, en fait, on les vend, genre 100 l'unité. Voilà, 100 l'outil. 100 l'outil, comme ça, si on en vend 10, 1000, paf, dans la gueule. Donc, parfait. Parfait, parfait. Donc maintenant je n'achète plus rien, je ne fais que produire, donc il n'y a plus qu'à attendre. Et ça va gérer. Donc lui, le bois et le fer, ça fait des super tubes. Et lui avec les super tubes, il fait des outils. Vous comprenez? Fait des plazas. Ouais, mais je vais faire des plazas juste, en fait, ici, pour aller aux outils. Parce que ça coûte 1 de briques, hein, chaque truc.
Ah, le brick et le broc, chaque truc. Voilà. Voilà, c'est parfait. Comme ça, là, ils vont max vite, là-dessus. T'as pas fini de vider ton bateau. C'est vrai. Il me reste masse outils dedans. Tiens. Voilà. Par contre, pas de briques pour l'instant. Alors, que veulent mes alliés, là? Qu'est-ce que vous voulez, les péons, là? Lui, il veut quoi? Lui, il veut du bois. Bah, putain, du bois, tu vas en avoir. Hein. Toi, tu veux des outils et de la brique. Découvert un village indigène. Quoi? Un village indigène? Toi, tu veux des outils et du bois. Mais donc, qu'est-ce qu'ils sont nuls? Alors, le village indigène, ça veut dire quoi? C'est où? Attendez, pourquoi mon... Qu'est-ce qu'il fout là, mon bateau? Non, non, mais je m'en fous de ton truc, moi. Je casse. Ah oui, un village indigène, c'est genre, vous êtes allé voir un pote. C'est ça. Voilà. Colonise l'Australie en bas à droite. Australie! Bah, c'est le jeu, hein. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas de bois? Oh, ouais, merde, il faut un bûcheron, là. C'est ça? C'est complètement con. Enfin, c'est chiant. Faut vraiment ça? Non, c'est pas vrai, faut pas ça. Si? Non. Vous croyez vraiment que... Que genre lui, il demande du bois. Il faut qu'il y ait du bois juste là, c'est ça? Ce serait abusé. Ah ouais, c'est ça. Putain, c'est ouf. C'est complètement ouf. Bah, faisons pousser les arbres ici, alors. Hein, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je vous dise? Ton marché, le marché. Mais quoi, le marché? Bah ouais, ben. Engager un cocher avec un chariot. C'est ça qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah d'accord! Ah ouais, genre tu donnes le bois et tu vas lui amener du bois. Oh putain, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Va falloir l'amener là-bas. Putain, c'est chaud! La fonderie. Oh putain, ça va me saouler. Oh, ça va me saouler. T'as fini route automatique. Choix de la cible. Tac, fonderie. Je ne comprends rien. Fais un marché plus près. Mais non, ça sert à rien, il l'atteint. Et le marché atteint le truc. Tu avais jamais joué à Anno? Non, j'y ai très peu joué, je vous l'ai dit. Mais moi, en fait... Non, mais quand je... Il y a un truc qu'il faut que je vous explique. Quand j'étais petit... Quoi? Quand j'étais petit, je comprenais rien. Le marché, oui, mais pas eux. Ah, d'accord, j'ai compris. J'ai compris, d'accord, d'accord. Non mais je vais le faire à ma manière. C'est-à-dire que nous allons... De toute façon l'émission est terminée mesdames et messieurs. Ah merde, ça y est, j'ai coincé mon mec parce qu'il a, il y a trop de... Fuck. Il y a trop de... Charge du bois toi. On va aller en voir à tout le pays, ça va être génial. Je vais aller vendre du bois. Fonder une nouvelle colonie. Quoi? Ah le bleu est, allé est parti en bas coloniser un truc, ok. Vas-y, alors, qui veut du bois, là? Vas-y. Toi, tu voulais du bois, toi, c'est ça? Ok, toi, tu veux pas de bois. Toi, tu voulais du bois, c'est ça? Et toi, tu veux pas de bois. Toi, tu voulais du bois, c'est ça? Toi, tu veux pas de bois. Oh, vas-y, bon, prenez du bois, là. Bon, mesdames et messieurs, c'est la fin du live. C'est la fin du live. Nous allons ajouter en programmation, eh bien, une sorte de Zerari improvisé. Non, je vais mettre un Zerator fait ce qu'il veut. Non, je vais mettre Zerari, comme ça, ce sera assumé. Les gens feront pas chier. On est le combien? On est le 21. 21 de minuit à 2h. Il y a un Zerari. Voilà, si vous voulez voir la prog actualisée, vous faites un... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait de la merde? 21. Voilà, voilà, voilà. Donc nous allons jouer à League of Legends. À tous ceux qui... il n'y a plus rien à voir. Pour ceux qui veulent pas voir du LOL... L'heure de fin doit être supérieure à la date de début et l'heure doit être supérieure à l'heure actuelle. Mais il est 23h58, vous vous foutez de ma gueule? Bon, ça bug.
Ça bug, tant pis. Voilà, voilà, mesdames et messieurs, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce Zeratosaurus. J'espère qu'il vous a plu et que eh bien, vous avez passé une bonne soirée avec Anno 1602. On va sauvegarder cette game au cas où, un jour, peut-être, on rejoue à ce jeu. Jeu sauvegardé. Donc elle est dans vide 02. Le concurrent a construit un bateau. Ah, en tout cas, merci beaucoup à vous. J'espère que vous avez apprécié la soirée. Je vous aime. On se retrouve dans 8 heures de LOL GG New Record. Ah bon? 8 heures de LOL? Il y a vraiment 8 heures de LOL sur la TV aujourd'hui? C'est un scandale. C'est un scandale. Qui fait ça? Qui fait ça? Personne. Ah non, menteur. Montre-le-moi avec la programmation. Tu peux pas parce qu'en fait, il n'y a pas encore de programmation. Ah là là. Allez, super salut. Merci à toutes et à tous. Alors... Merci à toutes et à tous. Ah, dans 4 minutes, 2 fois 2 minutes. On se retrouve juste après. Le temps pour moi de tout déconnecter, de log lol, de déplacer les trucs parce que là, il faut remettre l'écran normal. Donc, je vous dis à tout de suite. Et à tout de suite. Voilà, voilà. À plus.